Maman, le foie pouvait finir avec elle, maman. Hey, oh ya, massa. Hein, mamie? Donc, long cou comme le nénon. Elle tournait là, je ne pleure pas. Tu pleures toutes les nuits, propre. Les pleurs de ça. Les pleurs de Mangala de ça. Hey, maman, tu as fané. Tu étais fraîche avant, hein? Maman, c'est toi qui es devenue comme ça. C'est maintenant qu'on voit ta vieillesse. Maman, tu dis que tu as 40 ans combien? Massa. Et même 15 ans. Alors sinon, ta vieillesse se voit propre. Quand tu te... Longo, la haine t'a détruit. Tu dis que quoi? Tu ne veux plus être dans les cas que nous, on va rester dedans seul. Tu mens. Qui t'avait d'abord appelé? Tu es venu voler la Starmania. Tu as fané. Maman. Tu es devenue comme une éthiopienne. Pardon, que les éthiopiens m'excusent. En Afrique, on dit que tu es comme une éthiopienne, que tu ne manges pas, tu as faim. Et c'est resté comme ça. Maman, elle est là comme une petite éthiopienne qui mange seulement la banane. Adama, on peut pleurer l'homme comme ça. Regarde comment tu étais. Le maquillage de ça. Tu n'avais pas le ring light, tous ces ring light. Le maquillage, qui l'a maquillé? Maman, c'est obligé. C'est obligé de faire l'anniversaire. Quand tu es dans la cagnotte, après il y a blessé de guerre XXL, dis donc, pas où? Quand vous ne me voyez pas, vous, mais maintenant que vous me voyez. La cagnotte est disponible. Il faut mettre dans la cagnotte mes cœurs chauds. Il faut coacher dans les cagnottes. Maman, votre soeur là, elle dit que quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais m'accrocher. Ça dit quoi? Elle dit qu'elle va s'accrocher à sa télé. On dirait que c'est une télé. C'est comme ça, un téléphone Facebook que tu prends, tu mets ton Facebook. Elle dit qu'elle s'accroche à ça. Tu devais plutôt t'accrocher à Papa Foja. La seule femme qui a fait ramper un homme en plein France, en pleine chaleur. Le gars a rampé par terre, lui donner le nom jusqu'aujourd'hui, il rampe, rampe. Regarde comment il est frais. Maman, le ndolo de ça. Il faut voir comment quand le gars fait le ndolo avec sa nga, sa nouvelle nga. Hé, Marie de Yor, big up à toi, hein, maman. Big up, bonne installation, oh. J'ai appris que pour le jour du déménagement, c'est ma copine Maman Pépé qui était dehors pour aider à surveiller les affaires pendant que vous étiez en train de sortir. Big up. Elle était allée vendre le piment là-bas dans sa maison de la télé. Elle n'était pas là. Le jour du déménagement, le gars a déménagé, elle n'était pas là. Il n'a même pas pris grand-chose. Il a pris que ses habits. Il lui a laissé le vieux canapé noir de 1900. Ouais, là. Le gars a dit que je me salis pas. Je ne suis pas un homme qui prend les choses des femmes. Non. Il a dit que reste avec tout. La tristesse de sa maman, elle ne dort pas. Elle fume encore le ndepa mélangé. Elle fume le ndepa jusqu'à. Voilà une ténébreuse qui me salue, c'est Sandra. Bonsoir. Voilà une autre. Elle me salue aujourd'hui que bonsoir, Flore. Une personne qui me déteste. Tu dis que tu la détestes pourquoi? Elle ne peut pas dire. Elle ne sait pas pourquoi. Elle dit seulement que je déteste pour rien. Je t'ai. Maman, la lumière commence à toucher son visage. Oh. La lumière commence à la toucher. Elle m'a salué, j'ai répondu. La lumière commence déjà à te toucher, maman. Bienvenue. Oh. Maman, quand ces gens, elle dit qu'elle va signer, elle dit qu'elle va s'accrocher à sa télé. Elle va s'accrocher à sa télé, que la télé là. Si j'ai décidé de ne pas lancer le même dimanche qu'elle, c'est parce que je vais la laisser un peu voir comment elle va évoluer. Pour que les gens ne viennent pas dire que je suis jalouse. À la télé, alors je vous parle, il y a Macron là, là maintenant là, c'est BFM qui passe. Dans toutes les autres chaînes, chacun met son journal. Et Adam, on peut souffrir comme ça. Tu n'as pas honte. Vous les femmes là, vous qui vivez avec les hommes dans les maisons, ne dis jamais que tu connais un homme. Ne dis jamais qu'un homme ne peut jamais me quitter, maman. Parce qu'on ne maîtrise jamais l'être humain. Toi qui avais ton homme, tu dois continuer à le chérir tous les soirs. Et rien n'a acquis. L'amour, ça se construit de jour en jour. L'amour, ça s'arrose tous les jours.
comme une fleur que tu arroses tous les jours. Tu dois arroser ta relation tous les jours. En faisant les petits plats, en faisant les petits trucs comme ça, tu sais, à table. Cette fille, quand elle rentre, c'est le gars qui part encore cuisiner. Vous avez vu ça où? Un homme qui rentre, il a la fin de porter les papins, de porter les... Il travaille le travaux dur là, le ciment, de travailler dans les chantiers. Il rentre, c'est lui qui entre encore à la cuisine préparée. Pipi va préparer à l'heure-ci, là. Le seul jour où cet homme a dit que, chérie, je vais manger, elle s'est vantée. Comment elle va faire manger? Elle a mis le direct, qu'elle a te fait le direct. On voit la fille lave le coquille, elle ouvre l'eau, tchac, tchac, puisque ce n'est pas son nom, est-ce qu'elle paye l'eau? Elle ne paye aucune facture, elle a ouvert, tchac, 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 laver la banane, montrer comment elle est propre, tchac, 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 tchac. Maman, elle a fini de faire comme ça. Mettre le haricot dans le mayonnaise, prendre le poivron, découper, mettre sur ça. C'est où on l'appelle mamie coquille poivron. Elle a cuisiné le coquille. Le coquille qu'on dit là, avec le poivron. Du jamais vu dans la diaspora. Voilà où son nom est calé que mamie coquille poivron. Elle ne sait rien faire. Elle n'a jamais dressé une table. Elle avait dit qu'elle faisait son anniversaire, non? Maman, je n'ai pas vu ta mère chanter. Elle ne t'a pas fait joyeux anniversaire. Adama, les amitiés de ça. Et la fombo. Ma femme là, à fombo. Ma femme là, à fombo. Elle ne t'a pas souhaité joyeux anniversaire. Une bande de haineuses pro-max. Et la grosse tête de Borosangi. Il faut voir ces gens qui l'ont souhaité anniversaire. Achouka, Edouard Bala ne t'a pas fait... Achouka Ngongoli, Achouka Ngongoli. La poule n'avait pas encore crié trois fois que tu avais déjà changé de président. Edouard Bala n'était pas ton président à vie. Le président Edouard Bala. Mouna Sawa. Le coq n'avait pas encore crié trois fois. Tu avais déjà changé de côté. Et Langnouezout. Ce n'est pas le 10 que quand Papa Yukuba, à Yukuba, Papa, comment vous appelez là? Yukuba tremblait, tremblait. Quand mon ex-père se mariait, tu étais assise sur Facebook. Tu étais assise sur Facebook en train de dire que sa chaussure est plus grande que son pied. En train d'insulter son mariage. Ces gens-là ne peuvent jamais t'aimer. Faites votre petit cinéma là pour voir si ça me touche. Je m'en fous de vous. Vous m'apportez quoi? Vous êtes quoi d'abord la diaspora? Qui vous connaît? Le même jour que le père là se mariait, tu étais assise sur Facebook en train d'insulter son mariage, de dire que les habits de sa femme c'est AliExpress. Aujourd'hui, tu crois vraiment que ces gens-là peuvent t'accepter? Ils ne vont jamais t'accepter à vie. Parce que ce que tu leur as fait, ça reste gravé dans leur mémoire. C'est-à-dire que chaque 10 octobre comme ça, et tu faisais ça par jalousie, parce que tu étais incapable. La seule fois que tu as dit que tu veux fêter ton anniversaire, les gens avaient les plats à main, en train de danser. Hey, maman, on dirait que même les deuils de Paris, ce n'est pas comme ça. Tu faisais la ronde, tes invités faisaient la ronde. Hey, maman, pause publicitaire. Le 9 décembre à Paris. Le 9 décembre. Un big up à ma copine, Maman Perpé. Love you, care. Love you so much. Le 9 décembre à Paris, guichet fermé. Je voulais dire à ceux qui n'ont pas encore pris leur table, il faut commencer à payer parce que les J seraient non-confirmation. Là, je ne suis pas dedans. Les J seraient... Maman Perpé a pris son fauteuil avec une table. Oui. Trésor Béa a pris deux tables. D'ailleurs, elle m'a donné l'autre jour quand je l'ai vue. Elle m'a donné l'argent. J'ai vu les gens en train de commenter qu'elle est en train de boire l'argent du chantier. Si je bois ça, c'est votre problème. Votre problème est où? Donc, merci de me soutenir pour le 9 décembre à Paris. La soirée avec Rabat Rabi, petit pays, le 9 décembre. Une soirée inoubliable. Donc, si vous êtes en région parisienne, si vous êtes de passage à Paris, si vous êtes même à l'étranger, quand vous voulez venir profiter à Paris, n'hésitez pas. C'est une soirée guichet fermé. Vous savez que la salle de Noisy, le sexe, c'est une salle de 700 personnes maximum. Donc, on vous attend. Pour le contact, pour prendre vos tables, même si vous ne passez pas par moi,
Le refuge, restaurant Le Refuge, 70 avenue Aristide Briand-Stein. Donc vous prenez vos tables là-bas, directement. Pour ceux qui veulent m'appeler pour prendre chez moi, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà avancé et tout. Vous allez recevoir vos carnets. Donc je vous remercie beaucoup. Ça, c'est la dernière ligne droite. Donc, la dernière ligne droite. Quand on vous dit qu'une table, c'est 1000 euros, ça veut dire 100 euros par personne. Donc, si vous êtes une dizaine, même si vous êtes 4, vous pouvez prendre une table de 1000 euros avec plus de boissons si vous voulez. Elle t'imagine, hein? Comment tu poses encore la réponse, chérie? Tu sais ce que j'utilise, non? Perfection. La crème perfection, c'est ça que j'utilise. Tu connais déjà. Ok, depuis que je parle, la personne n'a rien mis dans la cagnotte, mais qu'un chou. Hey, quelqu'un vient de mettre la cagnotte. Merci à toi, Thierry. Merci à toi, Thierry, qui vient de mettre 100 euros dans la cagnotte. Merci beaucoup, cœur. Je te fais des gros bisous. Je voudrais remercier un nordiste. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je remercie un nordiste qui a attendu. Je vais donner son nom comme ça. Est-ce qu'elle doit donner son nom? Alors, je remercie un nordiste. Il est de Mangida, Naoussa du Nord. Est-ce qu'elle doit donner son nom? Je ne sais pas si elle doit donner son nom, mais c'est un nordiste, c'est un chef d'entreprise nordiste. Voilà, c'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un de connu, je ne vais pas donner son nom. Donc, il a fait un geste dans la cagnotte par Orange Money. Orange Money Cameroun. Donc, il m'a envoyé Orange Money au Cameroun et je remercie ce grand homme. Je le remercie beaucoup. Je ne vais pas citer son nom parce que c'est quelqu'un qui est en exil. Je n'ai pas envie de citer son nom, sauf si peut-être la prochaine fois il me permet de citer son nom. C'est quelqu'un qui est en exil, donc en exil hors du Cameroun et qui m'a envoyé... il est foulbé. Ah, tu connais, hein? Les cheveux roulés, quoi. Il est quand même blanc, non? Mais c'est, il est du Cameroun. Foulbé, hein? D'accord, ne donne pas le nom. Oui, il est foulbé. Beau comme ça, non? Mais il est en exil, donc je ne veux pas donner son nom. Il m'a fait un transfert dans le Orange Money du Cameroun, d'ailleurs, que j'ai utilisé pour payer le plombier. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à lui. Il y a quelqu'un qui vient de faire un envoi. Voilà, faites bouger la cagnotte, non? Faites bouger la cagnotte. Ouais, toi aussi, pourquoi tu viens de dire son nom? Que Bachirou, pourquoi tu dis son nom? Oh, mais vous, là, vous aimez trop le Congo ça, hein? Donc, tous les Nordistes s'appellent Bachirou. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Vous aimez trop le Congo ça? Pourquoi vous aimez le Congo ça comme ça? Pourquoi les gens commencent à lui demander l'argent? Ce n'est pas lui. Vous aimez trop le Congo ça? Comme ça, les gens commencent à lui demander l'argent, ma. Je n'ai moi rien dit, oh. Ne commencez pas avec mon nom, hein. Ne tentez même pas avec mon nom. Hey. Après, vous, ne commencez pas avec mon nom, oh. Ne commencez pas avec mon nom. Ce n'est pas lui. Ma fondement. Ce n'est pas lui. Ma fondement, jamais. Ce n'est pas lui. Vous mentez. C'est un tout pourri. Non, la personne-là, elle n'est pas du Cameroun. Vous mentez, je n'ai rien dit, vous mentez. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas lui, maman pressée la cœur, big up, ce n'est pas lui, ma bangoup. Hein? Heureusement que ma faune ne ment jamais. Non, ce n'est pas moi, je n'ai pas dit qu'on parle de lui, oh. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Toi, Larissa, toi, la mamie Congo, ça, avec ta large bouche, bon, bon, y a lui. Donc, mais qu'un chou. Mais qu'un jour, mais qu'un jour. Hey. Oh, le Congo, ça va tuer les Camerounais. Oh. Maman, la caillou aussi, ma. Les gens parlent de ça jusqu'à. Les gens parlent de la caillou aussi, les cœurs. Ce n'est jamais, ne ment lui. Oh. Ouais, maman. Mettez quelque chose dans la cagnotte. Je vais faire, maintenant raconter
l'histoire de la Suisse. Ou bien on continue. Le chantier sur le gars qui va cotiser beaucoup va aussi dormir beaucoup, beaucoup. Oh. La fille qui va cotiser beaucoup va aussi manger beaucoup, beaucoup là-bas. Oh. Le chantier sur. Oh. Le chantier sur que tout le monde parle que le chantier sur. Oh. La personne qui va cotiser beaucoup, beaucoup va aussi manger beaucoup, beaucoup. Va aussi dormir beaucoup, beaucoup. On a déjà dit que chaque abbé met ses carreaux. La personne va cotiser beaucoup, oh, pardon. Les cotiser beaucoup, beaucoup, le c'est sans engagement. Oh. Je ne veux pas. Je ne veux pas que le jour que je suis devant ma porte, quelqu'un vienne dire que tu vas me donner la poignée si c'est moi qui avais acheté. Remets-moi la poignée. Remets-moi mes carreaux. Remets-moi le ceci. Remets-moi. La personne, je préviens qu'Alan, la personne qui cotise beaucoup, beaucoup, va dormir aussi beaucoup, beaucoup. Donc, les femmes là. Coucou Michevin.com. Je te fais des gros bisous. Les cœurs. Mettez quelque chose dans la cagnotte, je vous raconte alors. Blessé de guerre XX, c'est le Adama, Maman Mirabelle, Angola, les vieilles chouettes blessées de guerre. Mettez quelque chose dans la cagnotte. Pourquoi tu veux savoir combien il a donné? Pourquoi? C'est ton argent. Il a donné combien? Il a donné combien? Pourquoi? Il a payé le plombier. Ou toi, calcule un peu les tuyaux de plomberie. Calcule un peu les... Et tu peux évaluer la plomberie dans cette maison. C'est que ça revient l'installation de plomberie. Tu peux évaluer la main d'œuvre d'un plombier. Pas le matériel, la main d'œuvre. Donc, évalue la main d'œuvre d'un plombier dans cette villa-là. Et tu vas trouver combien il a donné. Tu veux donner le double? Alors si, hein, maman? Oh, oh. Alors si. Hein? Les gens, tu me dis que parle de pipi, c'est ma tasse de thé. Pipi, c'est qui? Toi, tu me dis de parler de pipi, qu'elle est qui dans la sauce? Une personne qui a fait tristement anniversaire. L'anniversaire était tellement triste que je ne sais même pas. Tu veux qu'elle parle d'elle? Que la Fombo parle d'elle? Non, ce sont ses roupéros. Je ne suis pas une roupéro de pipi, maman. Je ne suis pas son roupéro. Ce qui est sûr est que son mari, alors il est là. Il est en train de remplir le gros bazooka dans le couetou d'une autre femme. Le remplissage de ça. Le serrage de ça. En plus, une fille que ça passait. Pas là où c'est lolo, ça fait floc, floc, floc. Non. Voilà une femme. Je suis désolée. Sa part est serrée. Sa part est comme ma part. Bien moelleuse, genre. Bien, ça veut dire que quand le gars entre dedans, il n'a pas besoin de... Tu vois un peu, non? Tu, à la limite, tu mets un peu la salive. Je suis désolée si vos enfants... Moi, je ne suis pas là pour éduquer vos enfants. Pipi, tu écartes, ça fait tchoup, ça fait le bruit. Tchoup, 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 poup, 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 c'est quoi? Il n'y a pas besoin de ça. Et quand on lui fait la levrette, les pètes sortent. Pout, 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 pout. On lui fait la levrette, les pètes sortent par le couetou. Prout, 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 prout. Et là, avec son couetou, qu'elle lave avec le kangwa. Le gars l'a laissé. Je suis belle! Maman, le gars a laissé. Il est parti. Elle va pleurer plus que ça. Tu me dis que parle, c'est ma patronne. Hein? Elle ne sera jamais ma patronne, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Hein? Une femme que l'homme est parti, maman, qui va encore fermer le soutien de ses gros nibas. Maman, quand vous avez l'homme à la maison, vous ne donnez pas l'importance à vos hommes. Maman, quand elle va vouloir monter sa gaine, qui va l'aider? Pour monter la... Il y a les femmes que pour monter la gaine, il faut deux personnes. Qui va l'aider? Le gars est parti. Quand il va dire que mon dos me gratte, qui va gratter son dos la nuit? Vous avez les hommes à la maison, vous ne connaissez pas leur importance. Elle va vivre le célibat. Elle va vivre ce que nous vivons. Qui va encore monter sa fermeture quand elle sort? Elle va aller rester aux escaliers pour attendre le voisin qui passe. Pardon, excusez-moi, monsieur, vous pouvez m'aider? Elle va rester au couloir. Ou bien elle va arriver là où elle arrive et que Mando monte sa fermeture. Elle va vivre sa propre. Elle n'a pas pu respecter un homme. Un homme que tu vis. Elle va pleurer quoi? Elle n'a même pas à pleurer puisqu'elle n'a rien perdu.
14 ans de relation, elle n'a rien perdu. Tout ce que le gars peut lui réclamer, c'est le temps que le gars a perdu. Quelqu'un vient de cotiser. Quelqu'un vient de cotiser dans la cagnotte. Attendez, je regarde. On regarde la cagnotte. Non, les cœurs choux. Les cœurs choux. Quelqu'un vient de cotiser encore 100 euros. On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? On applaudit pour qui? Il faut voir les haineux comment quand ils regardent la cagnotière. Leur cœur fait mal. Oh, elle escroque ses fans. Moi, ce sont mes fans, non? Vous dites bien ses followers. J'escroque, ce sont mes followers, non, ma? La façon que je suis assise là, en train de leur donner le japap, sûrement, on ne manque jamais. Et le japap, comme ça, chaque soir. Non, ce week-end, il y a le baptême de ma petite fille, parce que nous sommes catholiques. On va baptiser pour vous, ce week-end. Donc, demain encore, direct. Oui. Mais Jean, elle va rester à la maison. Quand vous avez les hommes, même quand un homme ne te donne rien, tu dois le respecter. Respecte le fait qu'il réchauffe même le lit. Oui. Elle va faire comment l'hiver si? Le froid si? Elle va faire comment? Il faut respecter il faut même respecter le fait que la nuit tu discutes la couette avec ton homme. De discuter la couette que chez ouais, comment tu prends toute la couette? Elle va parler ça avec qui? Oh chérie, recule-toi. Ces faux cheveux-là vont sentir encore qui dans le lit. Elle ne sait pas que c'est un avantage même de te coucher au lit. Ton gars dit que ouais, pardon, tes cheveux-là entrent dans ma bouche, enlève le filet qui sent là. Tout ça. Qui va lui dire ça? Elle va se tourner la nuit, le reste. Elle fait comme ça. Papa Fondia, Stéphane. Elle le réveille mais encore. Elle ne travaille pas. Est-ce qu'elle s'occupait d'abord de lui que quand le réveil soit, elle se lève pour aller faire le café? Vous aimez rester dans le mariage, mais vous ne connaissez pas l'importance de s'occuper d'un homme, dans un mariage. Un gars qui soit 5 pour aller travailler, se lève pas pour boire, prendre le café avec lui. Vous croyez que la relation, c'est quoi? Et vous êtes beaucoup comme ça, hein? Vous êtes beaucoup de femmes comme ça. Quand ton gars part au travail, oui chérie, au revoir, ne me réveille pas, tu dois te réveiller. Quand ton homme se réveille pour aller pousser, tu dois préparer le petit déjeuner de ton homme. Ici en Europe, les gens ne déjeunent pas trop, mais on n'a pas le temps. Tu dois lui faire son petit café. Même si, c'est-à-dire que même si ton gars est en train de prendre le café, tu dors comme ça. Tu somnoles que tu as d'abord fait. Même si tu ne prends pas le café, tu dors, tu es à côté de lui. Tu restes fou de quoi? Vous voulez le mariage, vous ne connaissez même pas l'important, comment garder un homme. Fais son petit tupperware, fais son petit bol, ce qui va réchauffer à midi. Ça sert à quoi d'avoir une femme dans la maison? Et le midi, quand les célibataires sortent du bureau pour aller acheter le pain, toi aussi tu peux acheter le pain. Un homme marié doit sortir son tupperware que sa femme a fait. Il réchauffe au micro-ondes. Dans toutes les entreprises, il y a les micro-ondes. Ce n'est pas que tu es marié, mais tu te comportes comme un célibataire. Tu peux aussi acheter le pain. Tu t'alignes aussi au kebab le midi comme tout le monde. Vous mariez pourquoi? Vous mariez alors pourquoi? Hein? Quand vos hommes vont aller commencer à suivre la femme qui fait ça pour eux, est-ce que vous savez que quand vous ne vous occupez pas là, quand ton homme se lève, il commence le travail à 6 heures. Mais il quitte à quelle heure? À 5 heures ou à 4 heures. Bon, il quitte à 5 heures. Tu ne fais pas son petit déjeuner. Tu crois qu'il ne déjeune pas? Hein? Ah, merci Michelin. Elle prend une table de 1000 euros. Merci beaucoup. Donc, vous pensez que le gars, il part au travail comme ça, maman? On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qu'on vient d'envoyer 200 euros? Une personne vient de mettre 200 euros. On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? On applaudit pour qui? Pour qui? Finissons le direct avec 1000 euros. Parce que c'est la semaine. Comme ça, le week-end, on tape encore le salam. Finissons avec 1000 euros ce soir, non? Vous êtes déjà à 400 euros là. Vous avez là mis 400 euros ce soir. Finissons le direct avec 1000 euros ce soir. Donc, je suis en train de vous expliquer que quand vous ne faites pas le petit déjeuner, je dis merci à la personne. Parce qu'en fait, c'est une personne que... On applaudit pour qui? Pour qui? Pour qui? On applaudit pour qui? Pour ma tata. On applaudit pour qui? Pour ma tata. Moi, je suis une vieille chouette. Moi-même, je suis une rococo. Je suis une vieille chouette. Le gars qui va m'épouser,
comme les gens disent que le boxeur disent, tu donnes les conseils jusqu'à quelqu'un pour croire que mets ça en pratique toi-même. Donc les filles, je vous dirais que quand le gars, quand votre mari, quand votre homme, votre conjoint vous demande que, il n'a pas besoin de demander pour que tu prennes un café avec lui. Il n'a pas besoin de demander pour que tu lui fasses même les fruits, tu mets dans un truc, il va manger au boulot. Donc du coup, il fait quoi? Il sort à 5 heures, il fait un toucher sa maîtresse. Parce que tu es incapable de faire, il est marié avec toi. Tu veux qu'il fasse quoi? Quand il te quitte, on commence à dire que c'est un wakaki. Il y a les hommes qui ne se séparent pas des femmes, pas parce qu'il est trop heureux, hein. C'est juste pour la famille, pour des amis. Parce qu'aller encore apprendre à connaître encore une autre personne à nouveau, c'est trop compliqué. Donc, quand tu ne fais pas son petit déjeuner, je dis que même s'il ne déjeune pas, tu te lèves, tu l'accompagnes. Certains même ne repassent pas. Hein. Un homme travaille, c'est lui qui repasse ses habits pour aller au travail. C'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Non, le petit déjeuner le matin, au moins, c'est la moindre des choses. Parce que si tu ne le fais pas, ah, il fait le détouche la maîtresse. Ah, il fait le détouche la maîtresse. Il mange bien là-bas, il dort encore bien. Vers 6 heures maintenant, il se lève, il part au travail. Donc quand il te quitte, il fait une heure chez sa maîtresse. Avant d'arriver au travail, il est heureux comme ça. Le dehors arrange le dedans. Continue à rester là comme le lot pipi. Voilà son mari qui est parti devant nous, non? Vous croyez que c'est facile de rester 14 ans de vie avec un homme du jour au lendemain, il se lève. Il part là où on dit que oh, on critique. Il est allé rester là-bas parce que la tranquillité. Une femme mariée qui parle avec les hommes, qui parle avec les followers jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais le gars en a marre. Il est gogo. Il est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'elle a encore touché là, en Guinée. Ou c'est en Guinée où elle était partie là. Elle n'a pas encore touché les gris-gris. Les gris-gris que vous enfermez les gars dans les bouteilles là. Le Dieu de sa mère a parlé et l'homme est sorti de la bouteille. Voilà ça, en pleine journée. Moi, vos affaires, je ne coupe pas. Il n'y a pas la monétisation dedans. Donc, ça ne sert à rien. Il n'y a pas. Ça ne fait pas le truc. Ça ne fait pas. Est-ce que vous voyez les publicités? Est-ce qu'il y a la publicité qui passe? Il n'y a pas de publicité. Donc, 14 ans de vie. Un homme peut même rester avec toi parce qu'il se dit, oh, j'ai acheté le terrain avec elle. J'ai acheté des trucs, on a des choses en commun. Ils n'ont rien en commun, je suis désolée. Ils n'ont rien en commun. Le gars est parti parce qu'ils n'ont rien en commun. Ouais, vous allez parler de la cagnotte là jusqu'à, ça ne va rien changer. Vous allez parler de la cagnotte jusqu'à, les gens vont continuer. C'est de ça, la balata, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous voulez, je coupe, on commence à blesser de guerre. Ou bien on peut continuer, il n'y a pas de problème. Le toqué-porte, on n'a rien toqué-porte sur ça. Ma flé, ça, quand on a fait son toqué-porte, vraiment, les filles me font rigoler ici à la diaspora. Une personne qui a acheté sa propre bouteille pour aller donner, quel toqué-porte, tu as vu le... Mais une fille qui a insulté la mère du gars, là, quel... continuons. Tu me parles de quel toqué-porte? Il n'y a aucun toqué-porte là-dedans. C'est elle-même qui s'est toquée. Parce qu'elles sont nombreuses ici à la diaspora qui vont se doter. Chaque fois quand je parle des filles qui vont se doter, on dit tout que Flo de YouTube bavarde tout. Quand une femme se permet de se lever, elle achète une bouteille pour aller forcer, elle met le courrier à un gars que va donner dans ma famille. Ça va finir comment? Laissez le gars chercher. Laisse le gars chercher. Lui-même, il voit la sueur de son front pour aller n'essayer que faire le toqué-porte. Tu rencontres un gars lundi, samedi, tu commandes à le bousculer avec la bouteille d'aller toqué-porte. Il ne peut pas. Mais que vous savez que ne mange jamais, non. Ma faux ne mange jamais. Allez télécharger l'application. Orange Money Europe. Les cœurs, à partir d'aujourd'hui, non. À partir d'aujourd'hui, je vous promets, ma faux ne mange jamais.
quand ça me pique, je parle de pipi et ça ne chauffe pas. Il n'y a personne qui va me dire que tu parles d'elle, elle t'a oublié, elle n'a pas besoin de m'oublier. Quand ça me chante, je parle d'elle, mais seulement elle n'est même pas intéressante. Quelqu'un vient de cotiser. Hey! Oh, on a applaudi. J'ai mal vu. Oh, on a applaudi pour qui? Pour qui? Fleur de Lille. Quoi? Ah, casser les publicités d'aller acheter les choses. Je ne sais pas où avec les habits, mon frère. Les gens qui font les publicités d'acheter les choses. Moi, ils veulent qu'on continue dans la cagnotte. Moi, je mets pour. Vous savez que à l'heure, c'est l'heure d'aller acheter les choses. J'ai dit que les Afombo et compagnie, la Afombo avec sa large tête. Une femme qui est vraiment, on dit comme ça, maman, une laide de choses. Je suis plus jeune que toi. Je suis plus fraîche que toi. Je suis plus bonne que toi. L'homme qui monte sur moi ne peut pas monter sur toi. Je suis plus bonne. Tu as compris dans la Afombo. Donc, ce n'est même pas avec toi qu'elle peut parler l'affaire du lit. Parce qu'elle te voit, tu es une villageoise qu'elle est. Je suis sûre qu'il y a les touches qu'elle est. Les piches que tu n'as jamais fait. Même si elle t'explique au téléphone, tu ne sauras pas comment prendre le gars. Une villageoise. Il faut la voir comment elle souffre. Ton médicament, non? C'est la lionne, là. C'est ton médicament. Elle sait te traiter. Il faut que les enfants comme ça te manquent le respect. Tu comprends? Regarde-moi celle-là. Une sale chose. Va t'occuper de ton mari. On voit. Mais Jean, il y a les femmes qui fuient le travail du mariage. Oh. Elle est partie épouser un homme. Elle a donc fui aux États-Unis. Qu'elle aille s'occuper de lui. On voit, elle est troisième femme. Elle parle fort. Chérie, écoute-moi très bien. Quand je rentre au Cameroun, que je suis deuxième, parce que troisième place, je ne prends pas. Elle ne peut pas être une gars que moi, tu as quoi? Pauvre. La team des pauvres gens. Écoute-moi très bien. Quand je vais rentrer m'asseoir dans ma maison que j'ai construite, en tant que troisième femme, je peux accepter deuxième. Je ne peux pas être troisième, chérie. Tu n'as pas honte, pauvre chose. Quand on a les moyens, on est deuxième femme. Regarde-moi celle-là. Si j'étais en Afrique, ce qu'un père m'a déjà doté pour donner à son enfant, toi, quel parent en Afrique peut te doter pour donner à son enfant? Si j'étais en Afrique, c'est que moi aussi, je peux parler devant un homme. Que c'est qu'un homme peut aller aussi me saboter que c'est ma femme que mon père a donnée. Et la femme que le père a donnée ou la mère a donnée, que c'est ma femme que ma mère a cherchée. Les hommes ne s'amusent pas avec la qualité là. Tu comprends? Si j'étais en Afrique, c'est que je suis première femme. C'est que je suis la femme du gars que sa mère a cherché. C'est le genre de femme que... C'est que je suis le genre qui reste qu'à côté de ma belle-mère que... Même les Njomba arrivent là-bas, c'est moi qui ai amour. Parce que je suis la femme qu'elle a dotée. Tu sais ce que c'est qu'une femme que la mère d'un homme a dotée pour son enfant? Hein? Vieille chouette. Tu as assise là-bas aux États-Unis. Tu es partie aux États-Unis. Même dresser le lit. Avec ton visage du. Ma femme là à Fombo. Les femmes vont en Europe, ils construisent les hommes. Les maisons, les villas, ils mettent les hommes dedans. Toi, tu pars t'asseoir aux États-Unis, il y a tout le travail du monde. Tu es incapable de mettre la peinture. Tu as encore la chambre avec les rideaux en paille. Ma chérie, écoute-moi très bien. Toi et moi, non, quand j'aurai ton âge, une blessée de guerre, que je rentre vivre au bled, je ne suis pas obligée seulement d'être la femme d'un Camerounais, hein. Même un Ivoirien me ramasse là, je deviens la deuxième femme, ça ne chauffe pas. Même un Guinéen, même un Maguida, d'ailleurs, je ressemble à la femme d'un Aladji. Tu comprends, non? Son mari, Péri, son mari, elle est la troisième femme. Qu'elle a cultivé les cacao là-bas. Regarde-moi, c'est une graphiste qui peut être troisième femme là-bas. La honte de ça. Le jour qu'elle veut partir chez l'Enkwa. Tu comprends? Regarde-moi, c'est une graphiste. Espèce de graphiste frélatée. Le jour qu'elle va aller chez les bêtis là-bas comme polygamie, elle serait deuxième. Elle ne peut jamais être troisième femme. Tu es seulement celle qui sait à cultiver les champs. J'imagine comment quand tu arrives au pays, quand on parle de polygamie moderne, et même ta maison, comment tu peux vivre dans une maison? C'est toi qui vis aux États-Unis, c'est toi qui dors dans la même maison. Il y a les autres femmes là-bas dans d'autres chambres. Et faire le complot avec les femmes Yaoundé. Là, on va te taper là-bas dans le mariage. Là, tu vas fuir.
Tu as la chance que tu ne peux pas fuir pour qu'elle prenne ta place. On va te chasser de ce mariage. Regarde-moi celle-là. Elle va s'asseoir sur Meta comme une petite fille. Hein? Maman, nous les jeunes, nous sommes là sur Meta. Même je suis en train de laisser derrière ma place aux autres. Elle est sincèrement gangan que le mariage. C'est le mariage de quoi? Elle dit qu'elle est une star. Elle est une star où? Quand? Elle n'est pas une star. Je suis désolée. Afomboru Pero. Hey! Ouh, ouh! Maman, tu vas te marier chez Yaoundé. Tu n'es même pas deuxième, maman. Pauvre femme Bamileke. Pauvre longue Bams. Tu peux les donner quoi? Tu peux les donner quoi? Ma chérie, quand je vais aller me marier chez Yaoundé, quand j'arrive d'abord, j'arrive avec les sacs de nourriture. Quand tu ouvres mon congélateur, comme ils aiment manger là, tu as d'abord les gros poissons dans mon congélateur. Tu n'as même pas de congélateur. Tu vas te marier chez Yaoundé, que tu peux les nourrir. Tu peux te marier chez Yaoundé, tu peux les nourrir, maman. On va te taper dans le mariage là. Je te dis que moi, je vais aller en mariage chez les Yaoundé. Je serai deuxième. Je vais te montrer comment une deuxième femme se comporte, la reine mère. Quand ma soeur dit, c'est mon autre truc, entre à la maison. Ouais. Quand ils me font le sissia, comme si elles veulent me taper, ils disent seulement que aller dans le congélateur, sortir le plus gros poisson qu'il y a là-bas. Je les calme seulement avec les poissons. Allez prendre la viande de la chèvre qui est dans l'autre congélateur. Oui. C'est-à-dire que quand ils passent, moi, ils disent que allez prendre les. Il y a le vin. Je leur dis qu'il y a le vin là-bas. Pas les trucs au dontol, les vins là. Comment on appelle ça? Le corbon. Pas les corbons qu'on suce là. Pas le genre de vin. Les vrais whisky. Je vais leur dire que allez prendre les whisky. Je vais m'occuper de mes crepousses. Mais ils ne vont jamais me taper. Toi, tu peux pas aller au Cameroun, tu t'assois. Parce que tes crepousses. Tabassé, tu as quoi? Imbécile. On t'a dit qu'on. Quand les crepousses, tu n'as rien. Tu vas être troisième fois chez les Yaoundé. Je vais te retrouver, je vais te montrer. Ce qu'on appelle troisième femme chez les bêtis. Sale chouette. Il faut qu'on te mette. C'est-à-dire que c'est toi qui dois aller au champ de cacao. Regarde-moi celle-là. Ma, elle est assise là-bas aux États-Unis. Hein. Même ses crepouses brillent plus que elle. Eh, les souillus des Bamileke. Ma chérie, quand je vais aller en mariage chez les bêtis là-bas, je vais d'abord arriver avec les conteneurs de nourriture. Quand elles veulent m'agresser, qu'on me fait le sucia, qui dort avec le mari aujourd'hui, je les envoie seulement que voilà le poisson au feu. Quand elles me parlent, dit que voilà, il y a le vin rouge là-bas. Ouais, les Yaoundé, il faut pardonner. Non, je n'ai pas, c'est pas pour dire que c'est que la femme Bamileke, il faut la chasser là-bas chez vous, pardon. Elle ne mérite pas. C'est moi qui mérite d'être la femme des écarts. Et non une chouette comme une vieille chose comme ça. Vous la prenez pourquoi? Vous voyez à quoi elle ressemble, ma? Elle n'a rien. Maman, on peut même pas être belle, mais ça, tu viens quand même avec les moyens, ma. Au moins que quand ton gars te touma comme ça, il pense au moins que non. Je suis en train de touma dans un lit qui n'est pas en train de bouger. Une vieille chose, elle touma le lit, fait encore zik, 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 le bruit là. Elle touma le lit seulement réveille le quartier. Tu n'as pas une femme qui vient de Benin, tout ma. Le lit réveille tous les voisins. Tu ne connais pas les fabricants des meubles. Et c'est elle qui vient s'asseoir, elle veut parler, parce qu'elle parle au cacao. Pour... Hey! Oh, wow. Iwe! Iwe! Ma chérie, si tu étais une contenade d'onga, que tu vois chez les bêtis, quand je vais arriver chez les bêtis en mariage, je vais d'abord faire les étangs de poissons d'eau douce. Parce qu'ils aiment manger ça. Ils veulent seulement faire gnac. Je lance les plantains pour qu'ils pilent le ntumba là, le ntumba. Le plantain pilé là. Je dis que voilà les champs de plantain là-bas. Servez-vous. Ils veulent parler. Ils disent que voilà les étangs de poissons. Ils veulent parler. Ils disent que voilà le vin là-bas de l'autre côté. Ils mangent. Et je suis en paix dans mon mariage. Tu ne seras jamais en paix. Tu n'es qu'une pauvre femme qui est partie se marier chez les Yaoundé. Que tu n'as rien. Elle est mariée là-bas. Vous connaissez le village de Yaoundé que. On brûle le plantain là, non? On vend même la viande là-bas, beaucoup, beaucoup là. C'est elle. La femme, sinon, vous savez, cette Bamileke là, cette Bamileke frélatée, cette pauvre Bamileke là, vous connaissez, vous comprenez.
Vous voyez pourquoi c'était Yaoundé, les dents arrachées. C'est elle. Parce qu'elle prépare la viande crue. Vous comprenez? Pourquoi, vous voyez pourquoi certains Yaoundé ont la dent arrachée, non? C'est elle, elle prépare la viande crue. Elle sert ça aux gens, au village. Après, elle prend l'odontol, elle ajoute sur ça pour que ça arrache leurs dents. C'est elle qui vend l'odontol. Mba moi. Oui. Elle vend le sale odontol frélaté pour arracher les dents de tout le monde dans le village là-bas. C'est elle qui a arraché les dents des gens avec la fausse boisson. Vous avez compris, non? Regarde-moi celle-là. Elle parle, elle a quel souvenir là-bas, maman. Quand il va arriver chez Yaoundé à Maria, meuf, quand il me lève le matin, m'assoit seulement à la cour comme ça. Commence à déposer les vins rouges là, le manjunga. On appelle ça quoi? Les c'est la vie. Les vins rouges, c'est la vie là. Les vins rouges en carton là. Il me lève le matin, commence à déposer d'abord. Pour dire bonjour, je dépose d'abord les vins rouges. Oui. Et commence d'abord à déposer les vins rouges. Ton feignac, j'ai déjà fait le touba. Avec la sauce d'arachide. Elle peut, depuis qu'elle était au Cameroun, elle a préparé quoi pour l'homme qu'elle a marié? Rien. Je ne l'ai jamais vu à la cuisine en train d'emballer le poisson d'eau douce. Que je suis en train de préparer le poisson d'eau douce pour mon mari. Rien. Les Yaoundé chassés là, dis donc. Elle est vraie femme, Bamileke. Vous prenez les vieilles choses comme ça. Vous partez où avec elle? Chassez-moi celle-là, dis donc. Chassez-la du village. Je vais venir arracher les champs que vous lui avez donnés. Vous lui donnez pourquoi? Vous comprenez, non, les écans? Chassez-moi cette femme, Bamileke, là. Chassez-la. Chassez-la. Elle doit être la première à être chassée là-bas. Qu'elle aille là-bas dans son village, on voit. Il faut voir. Comment elle était tristement. Hé, hey, maman. On dit comme ça, le village de quelqu'un est important. Hein. Si les Yaoundé la chassent, elle va aller où? Elle n'a pas de village. Il faut voir qu'elle est partie à l'enterrement de sa mère. Elle était dans un petit... Elle était dans un coin là. Petit or, non? Petit or. Le petit or, c'est le coin de là. Petit or. Elle était là-bas toute malheureuse. Espèce de frélaté. Vous les Yaoundé là, quand vous épousez certaines femmes Bamileke là, il faut bien regarder hein, les pauvres femmes comme ça, c'est ça que vous partez chercher avec toutes les qualités des femmes Bams, les vraies femmes Bams comme moi. Quoi? Ouais, ouais, pardon. Attendez, je vais voir. Ne quittez pas les cœurs, chou. Ouf! Quand il m'assoit, maman, les fesses au haut. Oui? Maman, tu es de beau. Où est-ce qu'elle est? Ok, maman. Je suis au travail, mamie. Oui, je travaille, maman. Je travaille. N'est-ce pas, c'est le travail. J'étais en train de dire aux écans que, pardon, chassez-moi ces femmes-là. Commencez que, le jour que vous voulez chasser les Bamileke, commencez par elles. Vous comprenez? Commencez par elles. Tous les écans-là, je vais venir vous aider. On va chasser ensemble. Ça sera le chassement de ça. Une vieille gentille. Ma fille ne boit jamais. Donc, les cœurs. Merci, oh, merci. Merci. Les gens qui m'envoient les messages là pour travailler, là, sachez que c'est le jour. Hein. Ne pensez pas que je vais payer. Tous ceux qui veulent travailler là, ne pensez pas que je paye. Je ne paye rien. Je paye que le matériel. La personne qui veut travailler pour moi, je paye que le matériel. Oh, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a envoyé. Merci. Gloire à Dieu. Ma foi ne boit jamais. Mais que vous racontez l'histoire de maman quand ça fait ça. Quand je, vous savez que les ténébreux, quand je reste comme ça, je les gère parce que ça les fait mal. Il faut que je les donne souvent un peu. Hé, hey, revenons sur Borsangui. Hé, hey, Borsangui, la chèvre du Canada. Espèce de sale menteuse que tu sois.
Est-ce que c'est que la Borsangui, la chèvre du Canada, cette chèvre a dit la dernière fois que oh, mamie Anne a plus de pieds, s'est montée, s'est descendue. Et Borsangui a rajouté que je vais souffrir toute ma vie avec ma mère et que c'est mon calvaire. Maman, je suis fière que ma mère soit mon calvaire. Je suis fière de me lever le matin, de vivre selon son rythme. Toi, tu n'as pas eu la chance de t'occuper de ta mère comme ça. Je peux comprendre tes pleurs. Tu aurais souhaité peut-être, même si ta part était vivante, tu n'allais jamais t'occuper d'elle. Vu vos cœurs noirs. Vous pensez que c'est tout le monde qui s'occupe des parents ici en Europe? Vous savez ce que c'est? Vivre au rythme. Moi, je suis une jeune femme. Vous pouvez être en train de faire ma bordellerie quelque part. Je pourrais être en train d'aller dormir même chez un show. Que je me couche, que je m'assois, qu'on va dire que ça me gratte. Je m'en vais prendre mon gros mangala. Et ça ne chauffe pas. Et quand il pense que si il part, ah, qui va rester? Je reste. Donc, grâce à ma mère, grâce au fait que je m'occupe d'elle, mes fesses se sont fermées, ma. Mon cou et tout est devenu petit comme ça, ça s'est fermé. Je suis assise chez moi. Imbécile que tu sois. Tu t'es occupé de ta part. La mienne, hôpital, monter, descendre, je le fais avec plaisir. C'est avec plaisir que je m'en occupe. Tu n'as pas eu la chance de t'occuper de la tienne. Vieillir, c'est une grâce. Regardez comment les jeunes meurent aujourd'hui. Les jeunes meurent vite. Grâce à ma mère, je ne suis pas alcoolique. Je ne bois pas. Parce que si j'étais toute seule, seule dans une maison, ici en Benin, ce que je suis là dans les bars, ce que je suis la number uno, ce que je suis dans les... Comment vous appelez là? C'est que je suis la présidente de Nganda, de Paris. C'est que je suis dans tous les Nganda. Mais grâce au fait que je m'occupe d'elle, qu'elle est là, je ne peux pas boire saoulée. Quand je bois, tu vois, un œil ouvert, il faut que soit toujours, je ne peux pas dormir. Tu as raison, il dit que c'est mon calvaire, je ne peux pas dormir comme tout le monde. Parce que quand je dors, je me lève la nuit, hein, tu m'as appelé, il faut tout que soit prête à surveiller. Et c'est une grâce. Tu as compris, non? Ce n'est pas moi qui ai tué vos parents. Quand vos parents vivaient, ils ont profité quoi de vous? Ils ont profité quoi de vous? Rien du tout. Vous avez fait quoi pour vos parents? Vous m'enviez. Parce que ma plus grosse richesse, c'est d'être auprès de ma mère. C'est qu'elle soit près de moi. Le fait que je l'ai amenée, qu'elle soit près de moi et qu'elle a les bons soins. Parce que c'est sûr que si elle était au pays, c'est qu'elle ne vit plus. Même si ici, la Mbeng lui rajoute seulement même 3 jours encore de vie, c'est beaucoup. Je suis fière de m'occuper d'elle. Je ne suis jamais restée un jour comme ça avec un regret de l'avoir ramenée. Sinon, elle s'est rentrée depuis. Ça, c'est la 5e année qui va commencer qu'elle est là. Vous êtes beaucoup là que quand vous ramenez vos parents en Europe, vous faites les tours de manège, qui va s'occuper le mois, c'est elle va chez elle, après elle va chez elle. Parfois même le parent ne décide même de rentrer parce que le parent en a marre des disputes de qui va garder. Le parent dit que non, mieux je rentre. La mienne, elle a tout sur place. C'est de ça qu'il s'agit. Et si un jour elle lâche, je l'accompagne. Et je l'aurai accompagné dignement. Vous ne pouvez pas me décourager. Je suis française, je suis européenne, je suis française. Donc ça veut dire que derrière moi, vous avez raconté plein de choses. Là, moi, ça m'étonne. Vous savez, la France est bien. Hein? Parce qu'en France, au moins, on prend soin de la santé. Les médecins te parlent. Rien que la façon qu'on te parle à l'hôpital, ça te guérit. Oui. Rien que la façon... C'est pour ça que je ne cesserai jamais de remercier les personnes hospitalières. Que ce soit de l'aide soignante, même de celle qui nettoie au plus grand médecin. Ici, on sait parler aux gens et c'est psychologiquement, ça remonte le malade. Si c'était possible à chaque parent de venir se soigner en Bénin, c'est ce que j'encourage tout le monde, que amenez vos parents ici. Ici, on ne te harcèle pas que viens payer. Si tu n'as même pas, tu dis que tu n'as pas l'argent pour payer. On te laisse. On ne peut jamais t'amener en prison parce que tu n'as pas payé les frais d'hôpital pour ta mère. Je suis fière
Et beaucoup de gens aujourd'hui m'apprécient parce que Yves, la façon que je m'occupe de ma mère, ils voient qu'elle mérite. Je ne suis pas libre comme vous pour aller faire la bordellerie, pour monter et descendre partout, partout. Je m'occupe d'elle. Et c'est une grâce. Les gens m'encouragent. Malgré que je sois bloquée, que je m'occupe d'elle comme ça, j'arrive quand même à faire des choses concrètes. Et vous qui êtes libre, en fait. Je prends l'exemple de la présidente des Ténébreuses, là, qui est Lolo Pipi, parce qu'elle t'a donné une page. Elle vous a donné une page. Vous êtes ensemble pour me combattre. Elle vous a même donné une page. Je prends l'exemple sur elle. Elle qui n'a pas un enfant à bas âge, elle est libre en Europe depuis. Elle a toujours été là en bain. Elle a réalisé quoi de plus que moi? Rien du tout. Elle a quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour elle? Ou bien qu'est-ce que moi, j'encourage les gens à me donner. Je suis désolée. Ce n'est pas de ma faute si les gens m'aiment. Les gens m'aiment parce que je suis vraie. Je ne suis pas parfaite. Mais je suis une fille douce. Je suis quelqu'un de vrai et d'honnête et de sincère. Allez vous occuper de vos parents, on voit. Bonsoir mon frère Kunagero, c'est comment? C'est comment le béchou? Le médicament de Ngoup Ngoup? Ouais, Adama. On peut se mettre ensemble comme ça pour venir. Merci pour la personne qui vient de donner. Il y a une personne qui a donné 10 euros. Merci beaucoup à la personne qui vient de cotiser 10 euros. Merci à toi, Pélagie. Merci beaucoup, ma chérie. Ça fait un sac de ciment, hein. Ça fait un sac de ciment, parce qu'il y a même encore le transport sur ça. Merci beaucoup à toi. Donc, quand je vois ces bandes de femmes-là qui me combattent, là, regardez un peu, dis donc, elles arrêtent de dire que oui, ce n'est pas conçu en Afrique, c'est quelque chose. Si tu n'as pas en Afrique, fais alors en Bénin, on voit. L'Afrique, c'est pour ceux qui veulent aller là-bas. Mais tu as quoi même en Europe? Rien du tout. Vous êtes qu'une bande de jalouses. Vous êtes une bande de jalouses. Même avec les médicaments que vous avez touchés en Guinée, ça n'a rien fait. Dieu existe, la justice divine existe. Vous allez voir derrière moi, plus que ça. Vous êtes en train de combattre ma cagnotte. Mais c'est pas que l'argent ne sort pas de vous. Comment vous pouvez combattre quelque chose qui ne sort pas de vos poches? L'autre a lancé la cagnotte pour fêter l'anniversaire. Moi, j'ai décidé de lancer pour mes finitions. Ça ne veut pas dire que si on ne me donne pas, je ne vais pas avancer. Je vais tout avancer à mon rythme. Là où j'ai conçu jusqu'à ce niveau, est-ce que c'est la cagnotte qui m'a fait conçu jusqu'à Tolé? Avant de demander aux gens d'aider, il faut aussi montrer ce qu'on a déjà fait. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que hein, pour toucher Fleur de Lys, il faut parler de sa mère. Vous pensez, vous allez parler de ma mère 100 ans. Je mettrai toujours, je donnerai, parce que ma mère c'est une star. La mère d'une star est une star. Ça veut dire quoi? Je ne donnerai toujours de ses nouvelles de temps en temps. Ce n'est pas elle qui est blogueuse, c'est moi. Mais comme ma vie est une télé-réalité, parfois j'ai besoin de rassurer certaines personnes qu'elle est là, elle va bien. Ça va tout doucement, parce que c'est un à la maladie, tu ne peux plus jamais sauter ou bien quoi que ce soit, mais ça va. Je remercie une jeune sœur qui est partie du Cameroun hier. Elle vit au Cameroun, elle est là à Paris, elle est passée la voir hier et je la remercie infiniment. C'est vraiment gentil. Il faut honorer nos parents quand ils sont vivants. Arrêtons de faire que quand ton parent meurt, c'est où tu achètes le gros cercle. Le gros cercle, est-ce que le cercle soit disant, oh, j'ai acheté le vin, les gens ont bu le bon vin, c'est monté, c'est descendu. Est-ce que le parent a profité? Non. Au moins aujourd'hui, non. Elle profite au moins que le médicament, elle a au moins le médicament que je lui donne. Qu'elle est malade, au moins s'il y a quelqu'un qui fait, qui met, qui donne son pilulier. C'est un pilulier là, le truc de médicament. Donc tout ce que vous racontez là, la vie, c'est la chance. J'ai la chance de la voir, qu'elle soit là. Et la source de bénédiction. Parce que la bénédiction d'un enfant passe par sa mère. Je n'ai pas peur de vous parce que je me sens protégée par ma mère. Si ma mère n'était plus là, c'est que quand vous faites ça, peut-être que ça me touche. Mais quand il va me coucher dans la chambre de ma mère, on tape le divan, je suis content. Ma mère a une télé dans sa chambre.
Vous êtes beaucoup là que même la télé de 100 euros. Vous êtes beaucoup là que vous serrez dans les trucs de Emmaüs. Dans les secondes mains. On peut être dans les secondes mains quand on vient d'arriver en mai. Quand on se bat. Mais on ne peut pas se dire, grande dame, on achète chez le bon coin. Et puis c'est ça qui vient parler aux gens. Les gens qui dorment sur les matelas qui ont les pouces. Les matelas qui grattent. Les poux. Et viennent parler aux gens sur Facebook. Je vous emmerde, aller et retour. Vous allez regarder ma vie, comment ça brille. Vous allez pleurer plus que ça. Et l'anwanazout. Mais que chou, vous n'êtes pas fatigué. Hey, vous avez envie de blesser de guerre. Le blesser de guerre, c'est que je vais lancer. Mieux couper le direct si d'abord. Parce que quand les gens de la Suisse vont venir suivre le blessé de guerre, si, il ne faut pas que ça. Donc, ils cherchent trop. Ce n'est pas mieux. Hein? Allons faire le blessé de guerre de l'autre côté. Ou bien, on va faire qui valide? On va faire le blessé de guerre sur l'autre page. On reste ici. Serge de Jésus, tu es blessé de guerre. Ah. Non, ma faune ne coupe pas. Ok. Vous avez vu la semaine dernière, il y a quelques jours, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux comme quoi il y a un jeune Camerounais, un homme marié qui est en Suisse. Shakirou, sa femme l'accuse d'être sorti avec Shakirou. C'est la photo du monsieur que j'ai mis là, le jeune Camerounais. Mes chers frères et sœurs, je vais vous raconter son histoire. Ici en Europe, quand le mariage veut déjà finir, que ça ne donne pas. Coupe, sinon ça sera long, oui, je coupe, c'est mieux.